nos chers amis américains. Pourquoi ce titre empli d'ironie? Il part d'un simple constat. Depuis des décennies, et principalement après la Seconde Guerre mondiale, les Américains se sont déclarés, inventés comme les chevaliers des vertus démocratiques. Il semble donc que les représentants de ce peuple, passés de l'état barbare à décadent sans avoir connu de civilisation, soient seuls juges de la valeur des régimes dans le monde, arbitres suprêmes du bien et du mal, jusque dans les pensées intimes relevant de la sphère domestique. Pour comprendre l'origine de ce déterminisme, il fallait remonter à la création non pas des États-Unis, mais bel et bien des premières colonies d'Amérique. Comment ce peuple, qui n'a qu'une histoire de deux siècles, est-il parvenu à contrôler la politique mondiale de nos jours? En quoi ces idées de liberté et d'égalité peuvent être considérées comme fallacieuses et iniques au vu des différents éléments de l'histoire, sciemment occultés par les élites depuis la création des États-Unis? Pourquoi ce pays est-il devenu le chantre du mondialisme, gouverné par des gens, élus par personne, au nom des valeurs démocratiques? Cette modeste étude en appellera d'autres, c'est précisément l'espoir de ceux qui l'ont faite. Suite au traité de Versailles, véritable humiliation pour l'Allemagne, plusieurs autres traités sont signés. Celui de Gênes, en 1922, qui a eu pour but de rétablir l'ordre monétaire mondial complètement désorganisé par la Première Guerre mondiale, et celui de Rapallo, la même année entre l'Allemagne et l'URSS, dont l'objet était de rompre l'isolement dont ces pays furent l'objet après la Première Guerre mondiale et la Révolution bolchévique. En fait, le traité de Rapallo, c'est un traité qui va être signé entre la Russie et l'Allemagne. Mais ce traité, en fait, il va être conclu en sous-main, puisque auparavant, il y avait la conférence de Gênes qui était organisée en 1922. Et dans cette conférence de Gênes étaient principalement invités tous ceux qui étaient censés se partager le pétrole. Et notamment aussi pour traiter aussi encore sur des affaires de réparation que l'Allemagne devait effectuer pour les Français et les Belges. À Rapallo va y avoir un personnage très célèbre du côté allemand, qui s'agit de Walter Rathenau, qui faisait partie de l'élite allemande. Oui, qui s'appelle les 300. Hein. Ouais. Donc c'est une société secrète qui regroupait un peu les 300 personnes les plus influentes du monde. Donc pendant ce traité, en fait, Rathenau va essayer quand même de donner un coup de pouce à l'Allemagne en signant un accord concernant la livraison de pétrole avec Tchitcherine, qui est un ministre russe à l'époque. Et dans ce traité, on va essayer de signifier que, en fait, les Allemands, d'un côté, vont livrer tout ce qui est bien industriel et des brevets pour que la Russie puisse faire progresser son industrie. Et donc, en échange, les Russes livraient du pétrole à moindre mesure, sans passer par les consortiums anglo-américains, et ce qui permettait ainsi à l'Allemagne de se reconstruire plus facilement. Donc suite à ce traité, une fois que les Anglais apprennent ce traité qui était signé, ils vont tout mettre en place pour essayer d'empêcher ce traité de se mettre en place. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont assassiner Walter Rathenau, qui va mourir dans les bras de sa maîtresse et qui dira que sa dernière phrase sera « Les 300 qui gouvernent le monde ». Voilà. En fait, il expliquait qu'en fait, il s'est fait assassiner du fait du traité de Rapallo, mais de sa trahison par rapport à toutes ces élites mondiales. Par rapport à ces élites mondiales. J'avais oublié quand même de citer une anecdote qui est quand même assez sympathique quand on sait, comme on l'a expliqué auparavant, le rôle de la finance dans la révolution russe. On verra que, comme par hasard, par exemple, la famille Rothschild vend ses champs pétroliers en Azerbaïdjan en 1911 à Deterding. Quand dans le même temps, la finance de Wall Street, qui est bien entendu en partie à Rothschild, était en train de financer cette révolution. Donc, parce que Deterding va avoir un rôle très important après, et sa position vis-à-vis de la Russie et son amertume sont compréhensibles. Par contre, on peut louer l'esprit quand même de la famille Rothschild, qui a eu le bon sens de vendre ses champs de pétrole en Azerbaïdjan juste avant l'arrivée des bolcheviks. Donc je me disais que pendant que le traité de Rapallo était signé, il y avait la conférence de Gênes qui était organisée, et il y a quelque chose à signifier, c'est qu'en fait les USA avaient été évincés par les Anglais de cette conférence. C'est-à-dire que au moment où ils allaient une nouvelle fois essayer de se partager le pétrole, ils avaient encore une fois évincé les Américains pour le partage du pétrole.
Et en fait, cette éviction, elle a fait suite à différents divergents qui a lieu entre ces deux pays pour s'administrer le contrôle du pétrole. Le partage du pétrole mondial. Alors cette guerre du pétrole, en fait, elle commence principalement en 1920 aux États-Unis, quand il y a un président américain qui s'appelait Sinclair, en fait, et enfin, c'est un ami du président Harding il s'appelait Sinclair, qui avait réussi à parvenir à un accord avec les Russes pour justement se réapproprier tous ces champs pétrolifères de Bakou, qui étaient l'un des principaux, voilà, qui produisaient le plus de pétrole à cette époque. Donc, quand les Anglais ont appris ça, notamment Deterding, qui lui voulait absolument s'approprier ces champs de pétrole, ils ont organisé toute une série de propagandes pour essayer de d'évincer Sinclair et pour que ils arrêtent tout de suite cet accord. Et de cette suite, en fait, le président Harding à l'époque, quand il l'arrêta de sa présidence, il mourut très peu de temps après. Il était assassiné pendant un dîner où il aurait mangé des mauvaises huîtres. Donc ça, c'est le début un peu de cette guerre qu'allaient se livrer les Américains et les Anglais. Ce qui va symboliser un peu cette guerre, on va citer un homme, un Arménien qui s'appelle Gulbekian, et qu'on appelle l'homme 5%, que tu l'as déjà cité Monsieur tout à l'heure, ouais. Qui va être en fait à l'origine de cette guerre, parce que lui, il va pas se gêner pour passer d'un camp à l'autre, pour pouvoir déjà s'enrichir personnellement, parce que c'est un homme qui est amoureux de l'argent principalement, et qui en fait va tout départ être l'allié des Anglais, notamment de Deterding, où ils vont travailler ensemble pour essayer de s'approprier les maximums de champs pétrolifères. Et ce qui va contrarier l'amitié entre les deux hommes, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de femme. Voilà. Gulbekian va tomber amoureux d'une fille d'émigrés russes, voilà, qui se trouvait dans le même hôtel que Gulbekian habitait à Paris. Ouais. Et en fait, c'est Deterding qui va réussir à la séduire et donc il va piquer la femme que voulait Gulbekian. Voilà. Donc suite à ça, Gulbekian, ça va le mettre assez en rogne et il va tout faire justement maintenant pour contrer tous les plans anglais pour récupérer tous les différents champs pétroliers dans le monde. Et suite à ça, il y aura plusieurs batailles, notamment au Venezuela, où Gulbekian va réussir à convaincre les dirigeants vénézuéliens de lui donner quelques concessions au niveau du pétrole. Et lui, ce qu'il va mettre en place pour aussi récupérer ça, il va saboter plusieurs champs qui appartenaient aux Anglais à l'époque. Et de cette façon, il va petit à petit réussir à prendre la place des Anglais. Et il va d'ailleurs récupérer la plus grande concession pétrolière à cette époque au Venezuela, qui s'appelle la Venezuelan Oil. Ensuite, il va lancer une grande offensive boursière en 1931, où il va faire une espèce de délit d'initié, puisqu'il va déjà vendre toutes les parts qu'il avait de la BP à cette époque, à bas prix. Il va créer une forme de panique boursière, et en plus, à travers ça, il va lancer une fausse rumeur dans laquelle il disait que Deterding, dont le puissant mania de pétrole anglais, qui était mort. Donc de ce fait, toutes les actions boursières, que ce soit de la Royal Dutch ou de la BP, allait complètement baisser. Lui, il va en racheter la plupart. Donc de cette façon, seulement il va s'enrichir et il va mettre un coup aux Anglais parce qu'ils vont perdre en fait des parts de leur propre pétrole, leur propre concession pétrolière. Ah, il agira de la même façon au Mexique. Quand il va déstabiliser un peu, il va financer des révolutions pour essayer de déstabiliser tout ce qui est les concessions pétrolières qu'il y avait au Mexique à cette époque et qui appartenaient également aux Anglais. On pense que cet homme seul, quand même, avait la capacité financière d'attaquer des groupes qui comme British Petroleum. C'est pour dire la richesse qu'il représentait. Il faut avoir une puissance de feu financière extraordinaire. Et c'est là où ce personnage, cet Arménien, qui est d'extraction modeste d'ailleurs, hein, au départ. Hein, ouais, enfin, ses parents avaient comme payé des études en Angleterre. Oui, mais c'est pas des gens fortunés. Hein. Bon, voilà. Et c'est là où, en fait, quelque part, les Américains auraient dû apprécier ce personnage, qui est un self-made man, et ce que prônent les Américains, mais a priori. À la fin de sa vie, on va dire, on va résumer, Gulbekian, il était un peu haï de tout le monde. Hein. Bah, il finira seul. Hein. Il finira seul en Espagne, entouré de gardes du corps, dans un château avec des richesses au niveau des peintures, etc. Quoi. Et on pense également, parce que les Turcs en ont beaucoup voulu à Gulbekian quand même,
Ils en ont énormément voulu. Parce qu'il faut à l'origine aussi des traités, ce que j'ai cité tout à l'heure, des traités de Sèvres et traités de Lausanne, où l'Empire ottoman était dépecé d'une grande partie de ses territoires. Mmh. Et sur ces territoires, bien évidemment, des champs de pétrole. Même pour finir sur Gulbenkian, il avait quand même aussi une idée assez fantastique, puisqu'il avait réussi à convaincre les dirigeants français de créer une concession latine, en fait, où dans lequel il allait réussir à fournir, grâce au pétrole sud-américain, l'Espagne, la France et l'Italie. Et de cette façon, il empêchait les Anglais de s'enrichir sur le dos de ces trois pays-là. Mais comme par hasard, ce projet fut mis à mal, puisque celui qui était chargé de représenter Gulbenkian au niveau français, il est mort un peu de la même façon qu'Harding au cours d'un dîner. Voilà. Il est mort empoisonné, mais seul qui fut empoisonné. Bon. Dans ce dîner-là. Voilà. Ouais. Donc, alors on pourrait continuer des heures. La seule chose qui a signalé, c'est que malgré tout, malgré leur guerre pétrolière qui vont se livrer pendant quelques années, les Américains et les Anglais, ils vont quand même réussir à s'entendre. Et ils vont se rendre tous, à un moment donné, tous ces responsables pétroliers, ils vont se rendre en Écosse, dans un château, près de Achnacarry. Et ils vont décider, en fait, de créer le plus grand cartel du monde, où les plus grandes sociétés, qui soient British Petroleum ou les différentes soda oil, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Rockefeller avait été empêché d'avoir son trust, donc il avait divisé son entreprise, la Standard Oil de Jersey, Standard Oil de etc. etc. Donc c'est toutes ces entreprises vont se réunir à Achnacarry et vont signer en 1928 un accord dit d'Achnacarry. Il est grand temps de s'entendre. Elle s'appelait la Royal Dutch Shell, la Standard Oil Company et l'Anglo-Persian. Aujourd'hui, Shell, Exxon et BP. Elles sont les plus grandes compagnies pétrolières du monde. Retour au château. Le gotha du pétrole est à table. La réunion secrète peut commencer. Henri d'Etterding déclare « Il est temps d'exploiter fraternellement et le plus profitablement possible les ressources pétrolières mondiales. Zone d'exploitation, prix du transport, prix de vente, tout doit être partagé. » Au petit matin, l'accord est trouvé, un pacte secret est scellé, sans signature. Un cartel de pétroliers se prépare à dominer le monde. C'est en fait le début d'une longue histoire qui continue, quoi. Au niveau des pétroles, ça y est, c'est la paix qui est signée, autour de d'une fortune immense. Il y aura quelques guerres, mais bon, ils vont pas se tirer dans les pattes. Maintenant, ils vont dépecer. Et puis c'est en 1932 qu'on crée l'appellation les sept sœurs, c'est-à-dire les sept plus grandes. Seven Sisters. Voilà, c'est ça, les sept plus grandes entreprises pétrolières dans le monde. Voilà, donc l'industrie, alors il est clair de toute façon aux yeux du monde à ce moment-là, donc quand on arrive dans les années 1922, que l'Amérique, les USA, donc, sont en train de devenir la première puissance industrielle mondiale. Les Allemands sont au tapis, les Anglais, de toute façon, ayant de gros intérêts à Wall Street, laissent monter, et en même temps, ça permet d'entretenir une certaine confusion en faisant croire, par exemple, que l'Angleterre et l'Allemagne n'ont pas les mêmes buts et qui se retrouvent alliés dans une guerre, mais que les Américains n'auraient pas voulu la faire, alors qu'en fait, cette guerre et cette montée du nazisme qu'on va voir, quoi, a été magnifiquement orchestrée, d'une part par Wall Street. Alors tu peux donner le nom un petit peu de tous ces, bon, bien sûr Rockefeller en premier, qui crée avec IG Farben la Standard IG. On en parlera un petit peu après. Cette montée d'Hitler, alors qui est carrément financée directement par John d'Etterding, qui sera remercié, vous le verrez. Un document, une copie de journal d'époque. On sait très bien, quoi, parce que John d'Etterding mourra avant la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Juste avant. Il doit mourir en 1937 ou 1936. Ouais, ouais. Voilà. De toute façon, à partir de 1936, Gulbenkian l'a fini de le ruiner. Suite justement à ce qui va. Gulbenkian va savoir les appointements que va avoir d'Etterding sur l'Allemagne nazie et il va lui expliquer quelque chose à Hitler, ce qui va complètement l'évincer de l'Allemagne.
Et de cette façon, les Anglais vont dire à Detterding, stop, tu arrêtes là. Voilà. Donc, parce que, en fait, Detterding était prêt à s'allier même avec le diable pour récupérer les pétroles de Bakou. Bah, de toute façon, ce qui restera tout le jour en travers de la gorge, c'est le fait que Gulbenkian l'ait empêché de récupérer les champs pétrolifères de Bakou en Azerbaïdjan. Avant ce krach boursier de 1929, les financiers qui sont des spécialistes maintenant, grâce à leur lien avec toutes les sociétés dites secrètes, les écoles, etc., les mouvements de pensée, ils sont co-sanguins maintenant dans le monde de ce qui a de l'importance. Et forcément, il va y avoir des alliances industrielles avec des futurs poulains. Il y a un poulain qui n'était pas trop connu à cette époque-là, qui s'appelait Hitler, qui était un peu un agitateur. Il y avait en Espagne un espèce de ferment révolutionnaire qui était orchestré par Moscou, qui donnera la guerre d'Espagne. Il y a beaucoup de mouvements en Europe. Et donc, dans l'esprit, je dirais, de cette oligarchie mondiale montante, il y a le véritable ennemi, c'est l'État-nation. Donc le mieux, c'est d'essayer d'emmener tous ces États-nations dans une guerre, puisque aujourd'hui, ceux qui ont un petit peu, je crois que tu as le livre dessus que tu pourras montrer, les États-Unis d'Europe sont une invention américaine. Voilà. Et comme je l'avais signifié, et les gens auront des documents sur la vidéo, on voit les sociétés de pensée, on va dire, hein, la franc-maçonnerie, on va l'appeler comme ça, avait déjà prévu, avant que ça arrive, les États-Unis d'Europe. Pour faire les États-Unis d'Europe, eh bien, il faut refaire une guerre. Clairement, il faut refaire une guerre pour définitivement éradiquer ce qu'on va appeler le nationalisme socialiste allemand, pour éradiquer le fascisme italien. Le nationalisme espagnol était visé également, mais Franco aurait eu la bonne idée de garder sa neutralité, de réussir à garder sa neutralité. Et en même temps, alors là, ça va devenir très compliqué, parce que en interne aux États-Unis, on se rend compte qu'il y a déjà des infiltrations dites marxistes dans le gouvernement américain, de grosses infiltrations, qui sont financées par Wall Street, tout comme la Russie est financée par Wall Street, parce qu'il faut savoir que déjà au départ, c'était Trotsky, le poulain de Wall Street, qui était prévu, je crois qu'il était marié avec une fille de banquier d'ailleurs, américaine, si j'ai bonne mémoire. Donc tout ça, ça aurait permis de mettre en place un espèce de socialisme mondial, on va dire, modéré, homéopathique, tout à fait convenable, où les gens font ce qu'on leur demande de faire, tout simplement, quoi. Donc, les industries américaines vont activement, et la haute finance, vont activement faire tomber déjà l'Allemagne, la République de Weimar, en leur coupant les crédits. Donc la première partie, c'est la crise de Weimar, la première partie de l'ascension d'Hitler, c'est la crise financière allemande. Donc pour en revenir sur cette crise allemande, cette crise de Weimar, donc elle va commencer surtout après 1922 et après le meurtre de Walter Rathenau, qui était, après le traité de Rapallo, qui était vraiment l'une des dernières chances pour que l'Allemagne puisse se relever de la guerre et puis de toutes les réparations qui devaient être données aux vainqueurs français. Donc à partir de 1922 va commencer l'escalade au niveau du marque, c'est-à-dire l'écroulement du marque face au dollar. Je vous donne quelques chiffres parce que pour comprendre à la vitesse où ça va s'écrouler. Donc en juillet 1922, le marque il vaut à 1 dollar, ce correspond à 493 marques. Donc la réaction, première réaction de la Banque nationale allemande, c'est de augmenter la masse monétaire pour éviter l'inflation. Seulement, à cause de ça, en décembre, toujours 1922, 1 dollar vaut 7592 marques. Donc l'escalade se poursuit, hein, dès début 1000. Donc suite à ça, les Allemands ne peuvent pas rembourser les réparations dues à la France. C'est pour ça que les Français vont envahir la Ruhr. Et le fait qu'ils envahissent la Ruhr, ça coupe l'une des régions les plus riches d'Allemagne au niveau économique, au niveau industriel.
À savoir, juste pour l'anecdote, que les Anglais, au niveau international, ont condamné cet envahissement, alors qu'ils ont forcé les Français à le faire, quand même. Ils disent, payez-vous sur la bête. Voilà, laissez-vous aller au niveau international. Non, on conteste ce fait-là. Donc les Allemands vont refuser de travailler pour les Français, donc ce qui va engendrer encore une fois une chute de l'économie qui va vraiment complètement dégringoler. Donc une nouvelle fois, la Reichsbank va faire tourner la planche à billets, et en janvier 1923, $1, c'est s'échange contre 180 000 marques. On continue, en juillet, c'est 350 000 marques. En août, 4 620 000 marques. Et le 15 novembre, 4 000 milliards 200. Donc, on en arrive à des chiffres qui ne veulent plus rien dire. C'est très simple, le krach de Weimar, à la fin, les gens se chauffaient avec des billets de banque, ça coûtait moins cher que du bois. Bah, puis les célèbres images d'une femme qui va chercher son pain avec une brouette remplie de marques. Voilà. Alors il faut rappeler qu'est-ce que c'est un krach monétaire. C'est tout simplement, d'abord il y a le fait de l'impression monétaire, mais il y a surtout la perte totale de la confiance de la monnaie dans les gens qui, immédiatement qu'ils ont de l'argent, veulent le transformer en quelque chose de tangible. Voilà, c'est l'histoire du krach de Weimar. Il perd quotidiennement sa valeur. Et qui fait également que les gens se faisaient payer à la demi-journée, parce qu'une demi-journée plus tard, ça coûtait plus cher. Voilà ce qui s'est passé pendant ce krach. Krach qui a été magnifiquement orchestré, il faut le dire quand même, par les Anglais. Ils avaient coupé tous les crédits à ce moment-là pour les Allemands. On avait supprimé l'aide à la Reichsbank. Donc de ce fait, l'économie détruite, vie sociale détruite, niveau de vie complètement anéanti. Les classes moyennes qui faisaient la force de l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale, il n'y en a plus du tout. Et de ce fait-là, il y a les Américains qui vont entrer en jeu à ce moment-là. Ils vont essayer d'introduire deux plans d'aide pour aider les Allemands. Donc ces deux plans ont un nom, le plan Dawes, le premier, et le plan Young qui arrivera un peu après. Donc en 1924, Dawes, qui est un représentant de la banque Morgan, qui assiste aussi à la commission des réparations en Europe, va proposer à l'Allemagne de lui prêter de l'argent. C'est-à-dire que les Allemands qui sont déjà endettés, on leur reprête de l'argent de cette façon, soi-disant pour mieux répartir leurs dettes, pour mieux répartir leurs crédits, mais de cette façon, on tire les ficelles. C'est plus simple. Et en plus, à ce moment-là, il y a un personnage qui va entrer en jeu, il s'agit de Sacht. Donc c'est un personnage qui entretient des liens assez étroits avec Norman, qui est le président de la Banque nationale d'Angleterre à cette époque, et qui va permettre petit à petit, on va le voir, qui va créer des liens entre tous ces banquiers qui viennent de Wall Street et de la City avec Hitler. D'accord, Sacht a un peu des idées de. Ils sont en train de miser un peu leur. Voilà, ils jouent un poulain. Et en fait, au même titre, alors parce qu'on sait donc Hitler dans son ascension a été beaucoup aidé par Detterding. Bon, il y avait un but clair et net. Il voulait que les Allemands sautent à la gorge des Russes et fassent tomber le régime et récupérer le pétrole. Les Américains, eux, ils ont un autre pragmatisme, c'est qu'en fait ils disent après tout, l'argent n'a pas d'odeur. On a tout cassé là-bas. Il y a un bon business à faire. Et donc tout Wall Street va commencer. À jouer Hitler. Une grande partie de Wall Street dit on joue Hitler. Alors qu'Hitler a déjà écrit Mein Kampf, son manifeste. Enfin, on ne sait pas trop si c'est lui qui l'a écrit. En fait, on connaît Mein Kampf. Voilà, on connaît Mein Kampf, mais ça ne pose aucun problème. À ce moment-là, les plus grands noms, la famille Bush d'ailleurs aussi, Prescott Bush, après il y aura Ford qui va jouer avec lui, bien entendu Rockefeller et bien d'autres encore que tu peux citer. On poursuit donc grâce au plan Dawes et Young, en plus il y a des émissaires américains qui sont présents continuellement sur le plan, sur le territoire allemand pour s'assurer du remboursement des intérêts qu'ils vont prêter aux Allemands. D'accord. Donc, Il y a quelque chose qui est caché, qui est le plus important, c'est que le plan Dawes et Young vont permettre de financer aussi la fusion entre IG Farben et puis, alors c'est un nom allemand, je suis désolé pour la prononciation, c'est Vereinigungswerk, donc c'est ce qui va permettre de créer l'un des plus grands cartels au monde qui font un peu tout, principalement chimiques, et qui vont être les principaux financiers d'Hitler.
Alors, ce qui va permettre aussi cette fusion, oui, entre ces deux consortiums, qui va permettre quand même, IG Farben à cette époque-là devient l'une des industries les plus puissantes au monde. Hein. Mmh. C'est bien qu'il faut se rendre compte de ça, c'est que grâce au financement de Wall Street, ils vont créer un monstre énorme. Donc, ce grand cartel va petit à petit créer des petits, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises qui vont venir se greffer pour aider tous ces pour préparer l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Qui vont tout simplement réarmer l'Allemagne, voilà. Tout doucement. Voilà, c'est-à-dire parce qu'une, je veux dire, il faut une réactivation du système industriel pour pouvoir repartir en guerre. Et ils ont commencé par remonter d'abord le cartel chimique, on va dire, IG Farben, et après ils vont faire monter Hitler, qui lui va remonter toute l'industrie sidérurgique, etc., qui va lui plaire. IG Farben, c'était, on appelait ça l'État dans l'État. Ouais. C'était tellement important que ça prenait vraiment une place considérable. In Hitler Germany, the German banks and the German industrialists didn't like Hitler. They wouldn't give him any money. So the Rothschilds had to have the Bank of England finance the Nazi movement. And at the end of the war, when they tried the Nazi so-called war criminals, they never touched the bankers who had the Bernd Schroeder, and one of the members was a director of the Bank of England, and they were never indicted. They were quietly released, and the people that they indicted and tried at Nuremberg, of course, were the figureheads. But the real powers behind World War II and the Nazi Party were never tried, and have never been tried to this day. Pour continuer sur ces entreprises qui ont financé Hitler, on va citer, hein, dans les chars allemands, ils vont être construits par Opel. Seulement, à cette époque, Opel, ça appartient à General Motors. Donc General Motors, qui appartient également à Ford. Cet investissement de General Motors en Allemagne va permettre ainsi à construire de nombreuses usines qui vont non seulement construire des chars, des camions, un peu de voitures, bien sûr, la célèbre Coccinelle, voilà, merci. Et de cette façon, tous les bénéfices réalisés par cette entreprise vont être injectés dans une partie, va être injectée dans le parti nazi. D'ailleurs, Henry Ford fut décoré par les nazis pour service rendu à la nation. Voilà, comme des terres. Exactement. Ensuite, on va citer quand même la Standard Oil, qui va être l'une des plus importantes, puisque quand même, pour financer tout ça et pour préparer une guerre, il faut bien sûr, à cette époque-là, du pétrole. En Allemagne, il n'existe pas de champ de pétrole. Hein. Donc la Standard Oil de New Jersey, principalement, va se mettre à disposition une... IG Farben, et vont créer un joint venture qui s'appelle Standard IG. Standard IG, c'est ça. Alors, ce qui va permettre, notamment, c'est la création d'un pétrole... un peu artificiel, c'est-à-dire on va créer du pétrole à partir du charbon. Donc en collaboration toujours avec General Motors, on va créer ce qu'on appelle l'éthyle de plomb, qui va permettre donc à tous ces à préparer la guerre pour permettre au ravitaillement allemand pour tous ces engins motorisés. Ensuite, on pourrait citer ITT, qui va permettre notamment de créer tout ce qui est la communication, autour de la communication. On pourrait continuer comme ça avec la banque Harriman. Donc Harriman, c'est Clinton, le grand-père de Bush. Prescott Bush, qui va financer directement Hitler à travers une banque hollandaise. Banque Thyssen, je crois. Thyssen Group, aussi un industriel qui va financer le parti d'Hitler aussi. Donc toutes ces... Alors, on pourrait citer aussi Schroeder, hein, qui va aider aussi secrètement, qui va donner des fonds nazis, quelques millions de dollars par-ci par-là. Et ensuite, au niveau de cette montée aussi, on pourrait citer Paul Warburg, d'accord, qui à cette époque-là est le directeur de la Fed, et qui, pareil, qui par un intermédiaire de succursale en Europe, va donner de l'argent à Hitler en passant par IG Farben. Donc grâce à tout ça, petit à petit, les nazis vont pouvoir se réarmer, se préparer à la guerre. Juste pour en aparté comme ça, IG Farben va être aussi en lien avec la fondation Rockefeller pour, comme on avait dit tout à l'heure, commencer à faire des tests sur
la, on va dire, pour essayer de contrôler la croissance démographique. Et tous ces tests vont bien sûr être faits pendant la création de tous ces camps de camps de concentration, camps d'extermination nazis, et qui dureront même, qui participeront à la solution finale par les nazis après. And in fact, in my book, Murder by Injection, I point out that they actually went after some of the officials of IG Farben in Germany. And IG Farben was controlled by the Rothschilds. They had an American branch of IG Farben, which Paul Warburg, founder of the Federal Reserve System, was a director. And IG Farben's goal was to control the chemical industry of the entire world. And so they set up an American branch and a South American branch and a European branch. And it was the IG Farben people in Germany who were tried and executed for experiments on prisoners. And they have carried on those same experiments on prisoners in this country ever since. And nobody is arrested. Les séquençages OGM ont été développés dans les camps de concentration, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous mangez des produits transgéniques, il faut savoir que ça a été étudié en premier lieu dans les camps de concentration. Voilà. Et puis quelques anecdotes comme ça, quand les Américains ils sont arrivés en Allemagne, en fait, ils ont constaté que les chars allemands, ils étaient un peu la copie conforme des leurs. C'est-à-dire que c'était un peu les mêmes, déjà le même moteur. Et juste pour signaler la participation des Anglais, tous les moteurs de la Luftwaffe étaient produits par Rolls-Royce. Voilà. Donc Hitler, il n'est pas arrivé tout seul au pouvoir. Voilà, le procès de Nuremberg a été une grande pantomime, on dira. Donc, dans cette crise de le Weimar et puis l'aide spontanée des Anglo-Américains, arrive ce fameux krach de 29. Ça ne s'est pas effondré en 29. Par contre, comme par hasard, c'est juste un président fraîchement élu qui arrive aux États-Unis avant le krach de 29, c'est Hoover, si j'ai bonne mémoire, le président Hoover, qui lui d'ailleurs n'était pas franc-maçon, qui avait des idées qui dérangeaient un peu, et lui il arrive et lui tombe dessus cette grande dépression américaine. Alors le krach de 29, il faut quand même dire une chose, qu'il y a eu ce fameux jeudi noir, mais qu'après la bourse est remontée et le vrai krach a eu lieu en 36. C'est un krach qui a à peu près les mêmes origines, c'est-à-dire de l'argent prêté qui n'existe pas. C'est une pratique courante et dont on peut se demander si elle n'est pas un petit peu organisée, parce que dans ce genre de krach, curieusement, on ne voit aucune de ces grands barons tomber. Ils ne tombent pas, eux, dans les grands krachs. Il y a les petits, les deuxièmes couteaux qui se cassent la figure, mais pas les grands. Mais la plupart ont la présence d'esprit de vendre avant. Voilà. Et c'est à ce moment-là que la deuxième guerre mondiale va pouvoir occuper ses petites mains à construire, je veux dire, cette immense armada que fabriqueront les Américains en très peu de temps. Les gens devraient peut-être se demander, mais comment les Américains, ce peuple pacifique, a pu créer cet armement en si peu de temps. Surtout que, comme avant la Première Guerre mondiale, il y avait des décrets isolationnistes qui avaient été mis en place par Roosevelt, qui étaient censés éviter aux Américains d'intervenir sur une politique extérieure, et notamment en Europe. Hein. Voilà. Donc, officiellement, ils sont neutres, mais officieusement, eux, ils sont prêts. Donc, l'Allemagne, bon... on ne va pas s'étendre longtemps, on ne va pas raconter la Deuxième Guerre mondiale, les accords de Munich, etc., parce que ça serait trop long, et puis ce n'est pas trop dans nos chers amis américains. Eux, les Américains, ils ont la fameuse politique isolationniste, ils ont la crise, la Grande Dépression, et surtout, finalement, d'être neutre, ça leur permet de vendre leur business des deux côtés, encore une fois. Alors, un coup c'est les Anglais qui jouent ça, là ce coup-ci c'est carrément la finance américaine, finance tout le monde. Mais bon, on a beaucoup de chômeurs, on a ce qu'on appelle donc la Grande Dépression, ça serait bien de refaire partir l'industrie. Et à ce moment, opportunément, les Japonais attaquent à Pearl Harbor, quelle surprise. On reviendra pas sur le sujet. Beaucoup de gens ont dit, comme par hasard, il y avait certains bateaux, mais les plus vieux, ils avaient été détectés. Il était évident
que les États-Unis avaient obligé les Japonais à se mettre en guerre à travers quelques boycotts qu'ils avaient imposés aux Japonais quand même. Hein. Malgré tout, Rockefeller fournissait quand même du pétrole au Japon. Parce que pareil, au Japon, il n'y a pas beaucoup de pétrole. Hein. Non, même en creusant profond. Ça... Non. À la limite, ils vont trouver une faille sismique. Je veux dire, la moitié de l'île va se casser la gueule, mais il n'y aura pas de pétrole. Donc, comme par hasard, ces pauvres Américains se font horriblement agresser. Bon, sur Pearl Harbor, comme disait Brzezinski avant le 11 septembre, il nous faudrait un autre Pearl Harbor. Donc, Pearl Harbor... voilà, ça y est, les Américains. Alors, on avait obligé également les Japonais à s'allier avec les Allemands, bien entendu, opportunément. Ce qui fait que, du coup, l'Allemagne rentre. Alors que, pendant ce temps-là, il y avait un émissaire japonais, un ministre, qui était parti en Angleterre pour voir s'il était possible de créer quelque chose. Oui. C'était refusé, il est parti directement en Allemagne. Voilà. C'est par ce système, encore une fois, de sanctions économiques que. Les Américains obligent les Japonais à les attaquer, bien entendu. Donc l'attaque de Pearl Harbor, tu me redonnes la date. 7 décembre 1941. L'Allemagne, l'Amérique rentre en guerre contre l'Allemagne et contre le Japon. Et là, quand on voit que déjà, parce que le premier débarquement américain a lieu quand même sur les côtes d'Afrique du Nord, a lieu en Italie. Et en même temps, ils tiennent en face d'eux la guerre dans tout le Pacifique. Parce que le théâtre des opérations de la guerre américano-japonaise est immense. Donc c'est une armada qu'ont produit les Américains à une vitesse. Je dirais qu'il y a une spontanéité, une capacité de réaction... Vachement diversifié, parce que dans le Pacifique c'est une guerre aéronavale, ouais. Alors que dans l'Europe c'est une guerre vraiment terrestre. Donc encore une fois, je veux dire, ce peuple providentiel, puisqu'il se veut comme tel, et c'est là où tout le monde va être stupéfait, c'est la capacité de passer de la neutralité à une production de guerre qu'on appellera aujourd'hui le complexe militaro-industriel, je pense que les historiens devraient se demander, mais comment ils ont fait pour faire aussi vite? Parce que avant de produire des porte-avions, des avions qui fonctionnent sur des porte-avions, je veux dire, il faut quand même avoir fait quelques préparations. Et là, tout à fait par là, donc ces pauvres Américains sont agressés par les Japonais et ils gagnent la guerre 4 ans après. On remarquera aussi que pendant la phase... des opérations terrestres, opérations Overlord, arrivent donc sur le continent européen. Les Allemands, qui jusqu'à présent s'amusaient à bombarder les Anglais, se font bombarder à leur tour, mais jamais IG Farben. D'ailleurs, tout le monde savait qu'il fallait se protéger chez Standard IG, donc, qui était la société... de M. Rockefeller, hein, Standard IG, n'a jamais été bombardé. Bah comme la plupart des industries Opel fondées par General Motors, les gens allaient se réfugier là-bas à chaque bombardement. Voilà. Ça n'a jamais été bombardé. D'aucuns pourront attribuer ça au hasard. À Londres, le château anglais, la reine d'Angleterre, n'a jamais été bombardé. Enfin, c'était pas la reine d'Angleterre à cette époque, c'était George VI. Mais... On remarquera également donc dans ce conflit entre les Allemands et les Américains d'étranges accords avec les bolcheviks. D'un coup, Staline, qui était infréquentable, devient quelqu'un de tout à fait fréquentable. Et il va se passer d'étranges accords, bon, les accords de Yalta notamment. Donc, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, des opérations militaires, on ne va pas s'étendre dessus. Hein. On a fait le lien entre, je veux dire, Wall Street et Hitler. Il y a la pantomime de Nuremberg également. Il n'y a pas un financier qui y a Rockefeller qui ne s'est pas présenté, qui a eu 500 000 $ d'amende pour collusion avec l'ennemi. Bon, cette guerre, de toute façon, il était clair qu'elle était perdue bien avant 1945.
Elle était perdue bien avant 1945, c'est pour ça qu'il y a eu l'attentat contre Hitler par ses généraux. Ils savaient qu'ils avaient perdu longtemps à l'avance. Et curieusement, les opérations ont un petit peu traîné quand même. On s'est partagé le monde à Yalta, encore une fois. Et qui on voit à Yalta? Eh bien, on voit d'un côté Staline, qui demande des territoires, il courit, il Sakhaline, il veut en piquer un peu au Japon, et surtout, alors qu'on connaît très bien l'hégémonisme des marxistes sur le territoire européen, en fait, à Yalta, on lui avait fait cadeau déjà pratiquement tous les pays de l'Est, toute l'Europe de l'Est. On avait exigé, ce que peu de gens savent, c'est qu'on avait exigé le démantèlement des empires coloniaux, que ce soit français en premier, italien bien entendu. Alors déjà, il n'y a plus d'empire colonial. Alors beaucoup de gens ont regardé justement, mais ça c'est les accords de Yalta et on y reviendra après. Et donc, cette guerre, on laisse les Russes avancer plus vite que les Américains. Le général Patton, qui veut arriver le premier à Berlin, on lui coupe le carburant, hein, n'est-ce pas? Donc on voit très bien que, encore une fois, on a décidé, donc Roosevelt qui d'ailleurs commençait à être sérieusement malade. Il était pas en forme. Churchill qui connaissait très bien, je ne citerai pas les phrases de Sir Churchill concernant la révolution russe, mais qui connaissait très bien la nature de la révolution russe, et notamment qui avait dénoncé dans cette révolution les oligarchies financières qui avaient déclenché cette révolution russe, donc se met à table avec Staline et Roosevelt. Là, on se partage le monde et on prend des décisions, mais des décisions en fait qui sont a priori, qui doivent avoir un aspect d'humanisme, de création de démocratie, etc., mais qui vont être absolument catastrophiques pour la suite. Et alors, on pourrait croire, ouais, on a fait des concessions à Staline, impensables, qu'on n'aurait pas dû faire, mais simplement, il faut quand même savoir que la bombe Little Boy était chargée sur l'avion Enola Gay, qui a bombardé Hiroshima, Nagasaki. Les Russes n'avaient pas tiré un coup de fusil, qu'ils avaient déjà obtenu des concessions territoriales sur le Japon dans une guerre qu'ils n'ont même pas faite contre le Japon. Il y a l'affaire Lend-Lease, hein, qui est assez connue, où un major américain qui ne faisait plus la guerre, mais qui était chargé de relations avec les Russes notamment, un jour se rend compte que dans ce qu'il livrait, il y avait l'arsenal militaire, mais il y avait aussi quelques plans qui traînaient, et notamment des plans concernant tout ce qui, les travaux de l'atome qui avaient été réalisés par les Américains. Oui. Et ce major, on lui a clairement fait savoir que valait mieux qu'il se taise, qu'on lui avait rien demandé, et que ce qui se passait entre l'élite américaine et russe ne le regardait pas. On en arrive donc à la fin de cette guerre où une somme de hasard fait que on va se retrouver après donc Nuremberg, où on aura écrasé la bête immonde, on va se retrouver devant un après Yalta qui va être tout simplement d'abord la création de l'ONU, les accords de Bretton Woods, la création, encore une fois, d'organismes qui démontreront leur capacité de nuisance, tels le FMI, tels la Banque mondiale, le GATT, l'OCDE, ils ont créé des tas d'organismes, l'UNICEF, ça fait partie de alors toute cette liste je dirais de soi-disant puissances politico-financières soi-disant neutres, mais qui comme par hasard vont toujours aller dans le sens des oligarchies financières. Alors, certains diront, ouais, ça va dans le sens des Américains, mais là, l'Amérique est-elle encore l'Amérique à ce moment-là? Ou est-ce que c'est pas ce qu'on sait aujourd'hui et que tout le monde sait, c'est à peu près, comme ils avaient prévu depuis longtemps, c'est à peu près 500 multinationales
qui contrôle 80% du marché mondial. C'est devenu, c'est, aujourd'hui on en est là, c'est une grosse multinationale. Mais on va aborder donc ce sujet de l'après Bretton Woods, des accords de Bretton Woods, de l'après Bretton Woods, et de la suite qui est très importante. Ah, l'opération Lys d'or. Ah ouais, l'opération Lys d'or. Alors c'est tout simplement, voilà, moi je vais le résumer, c'est très simple. On sait que pendant 15-20 ans, le Japon a pillé tout l'Asie du Sud-Est, a massacré, dont le massacre de Nankin, etc. Disons qu'ils avaient créé une espèce de milice qui était sous les ordres du fils d'Hirohito, qui s'appelait Chichibu, je crois, ouais. Et qui était chargé de piller l'or partout en Asie, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient attaqué et gagné comme guerre, ils étaient chargés de piller tout l'or. Alors à travers cette milice, on parle de milice parce qu'en fait la majorité qui composait cette milice c'était des yakuza quand même. Mmh, il y avait une collusion entre le pouvoir Hirohito plus les yakuza japonais. Et donc ils étaient hein, plus ou moins chargés de rapatrier tout l'or qu'ils trouvaient. Et il avait plus ou moins réuni dans différentes îles dans le Pacifique, principalement dans les Philippines. Voilà, alors bon, c'est ce qu'on a appelé l'opération Lys d'or. Alors on va simplement... Voilà, opération Lys d'or. Ah, opération Lys d'or, où on voit donc MacArthur et Hirohito. Et là, j'ai juste donné un détail pour que vous compreniez. C'est que, en fait, il y a d'abord un fonds qui a été créé, c'est le Black Eagle Trust, qui est chargé donc de blanchir cet or. Donc cet or qui a été récupéré, on le sait, ils ont fini dans des banques internationales, Citibank, la Chase, la Hong Kong, Shanghai, HSBC, quoi, l'Union des banques suisses. Et alors, il y a un phénomène extraordinaire, c'est qu'il y avait un compte joint secret à la Sanwa Bank au Japon, au nom du général MacArthur et de son vieil adversaire Hirohito. Un compte qui, en 1982, sachant qu'en 1982, l'or ne rapportait pas d'intérêt, hein, et ben, ce compte-là, lui, il offrait 1 milliard de dollars d'intérêt par an. Bon, l'histoire ne dit pas combien il y avait d'or sur ce compte. Et c'est qu'une banque, ça. Ce qu'il faut expliquer, pourquoi MacArthur, quand le Japon perd la guerre, il est chargé d'administrer toute l'île. Voilà, c'est l'administrateur. Hein. Voilà. Voilà. C'est une sorte de gouverneur à l'ancienne quand les premiers colons sont arrivés en Amérique. Voilà, donc dans ce livre, on vous donne tous les détails de cette opération. Poursuivre ce livre est intéressant parce qu'il montre aussi à quoi servit l'or qu'ont récupéré les Américains. On sait qu'une partie du financement de la guerre froide a été réalisée grâce au magot. Une partie, mais pas tout. C'est une manière de justification à la sauce américaine. En fait, ça a financé toutes les opérations secrètes de la CIA. Oui. Voilà. C'était un des... Et ça a financé également la campagne de certains présidents des États-Unis. Il faut le savoir également. En 1951, il y a donc le procès de Tokyo, hein, qui est un peu le corollaire de ce qui s'est passé à Nuremberg. Et durant ce procès, la finalité, dans l'article 14, on explique que le Japon n'a plus les ressources nécessaires pour dédommager toutes les victimes de la guerre. C'est-à-dire que les Allemands, ils ont quand même fait des dédommagements importants. Sûr. On sait principalement. Ils en payent encore. Hein. Ils en payent encore. Eux, les Japonais, non. Ils n'ont pas de ressources nécessaires. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont pillé, qui a été récupéré par les Américains, tout ça a été mis au secret et ça n'a jamais existé. Il y a juste au printemps 2000, au Congrès des États-Unis, on a voté le Japanese Imperial Army Disclosure Act, qui normalement était censé déclassifier tous les documents qui étaient liés à cette Seconde Guerre mondiale, et notamment à l'intervention américaine au Japon. Et un peu comme par hasard, de la même façon que les Allemands, avant le procès de Nuremberg, avaient brûlé quelques documents, on en trouve quelques traces, mais pas suffisamment pour dire que le Japon aurait pu rembourser certains dégâts qu'ils avaient commis. Voilà. Sans parler de toutes les tueries qu'ils avaient effectuées. Et ce plan Marshall, il est important parce qu'il va quand même asseoir la domination financière et pétrolière de tous des Seven Sisters, notamment, qui va permettre... donc de ces conglomérats, de ces cartels, de vraiment contrôler la reconstruction européenne. Bien alors sûr. Comment ça se passe? Très simplement, les Américains donc, vont nous prêter de l'argent à travers ce plan Marshall, hein, quelques milliards de dollars,
illimité, tout ce qu'on veut. Seulement, ce qu'il y a derrière, dans ces accords qui étaient signés, qui ne sont pas forcément très connus, c'est que les Européens qui bénéficiaient de ce plan Marshall devaient absolument racheter le pétrole aux sociétés américaines et un peu anglaises. Les Anglais se sont un peu fait léser sur ce coup-là, mais bon, ils n'en ont pas profité, peu importe. Donc ce qui signifie bien qu'en fait, une nouvelle fois, on crée une dette qui est censée financer tous les principales familles qui détiennent tous ces conglomérats. Et de cette façon, une nouvelle fois, on assoit son pouvoir économique et financier. Et de cette façon, le politique... On crée un asservissement par la dette. Voilà. Et de nouvelle fois, le politique n'a plus grand-chose à voir à ce niveau-là. C'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, c'est là qu'on va commencer à comprendre. Certains ont commencé à comprendre que désormais, c'est l'économie qui dirige le monde. Les politiques qui sont là pour écouter et obéir. Le plan Marshall imposera à l'Europe les produits et la culture américains contre une aide à la reconstruction. Une mise sous tutelle qui perdure aujourd'hui encore.